la française et évidemment les supporters de l'équipe de France et de Louise Fillon qui se déplacent vers les obstacles. Mais attention, restons également focus sur la France avec Jean-Frédéric Sel qui pour l'instant occupe une très belle troisième place. Il lui reste également deux obstacles. Il vient de réaliser l'obstacle numéro 6 en 45 secondes et 57, cinquième temps pour le français, alors que Roger Campbell, le britannique, continue eh bien, à imposer son rythme. Meilleur temps dans l'obstacle numéro 3 et meilleur temps sur l'obstacle numéro 4. Dans l'obstacle numéro 4, Léa Schmidlin, la Suissesse. Nous avons retrouvé, bien sûr, tout à l'heure, son compatriote Christophe Koenig, qui se place pour l'instant au cumulé dressage marathon à la sixième place. Christophe Koenig, qui est sixième du marathon jusqu'à présent, et eh bien voici sa compatriote.